On va faire, attendez, hop, start recording, studio mode, non pas studio mode, c'est pas ça, settings, output, recording movies, same thing, good. We have sound, mm-hmm. We have video, okay. We can call. Let's hope it works. Come back to you, video call. Oh, oui, parce que je sens que là, ça va être mal. Hello, good morning, afternoon, evening, I'm not quite sure. I'm just trying to make this work. Very sorry if it looks absolutely horrendous. We're trying to film it all simultaneously. And I don't think we can hear you yet. No, we can't. Can you give us sound? Oh, wait. Is it working? Do we have sound? Ouais, on a du son, là. On a du son. Tout va bien pour l'instant. Okay, why am I not losing my side window? There we go. Full screen, nice. And I will now turn you around so you can see everything else. Donc, une fois qu'on a résolu les problèmes informatiques et que visiblement on va quand même réussir à enregistrer cette intervention et à la télécharger plus tard sur la chaîne YouTube, tout arrive. Je commence d'abord rapidement par présenter Séverine Barthes, qui est donc maîtresse de conférences en sciences de l'information et de la communication à l'université Sorbonne-Nouvelle. Spécialiste en particulier de l'analyse sémio-économique des séries télé américaines. Elle a participé à un ouvrage assez central qui s'intitule « Décoder les séries télévisées » dirigé par Sarah Sépulcre. Une réédition augmentée de cet ouvrage va sortir là, fin septembre 2017. Et par ailleurs, elle est l'auteur aussi du carnet de recherche Alerte Spoiler que vous pouvez trouver sur la plateforme de blogging scientifique hypothèse.org. Donc aujourd'hui, elle va nous parler d'une série de science-fiction de NBC qui s'appelle Timeless, assez récente, hein, qui date de 2016. Et elle va s'intéresser à des questions de remémoration et de tempo de la narration dans cette série. Voilà, donc Séverine, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, je voulais d'abord vous remercier de votre accueil et m'excuser de ne pas pouvoir être là physiquement aujourd'hui avec vous. J'ai une présentation, donc je vais partager mon écran. Je vous demande juste un instant. Voilà, est-ce que vous voyez la présentation? Très bien, oui, très bien, c'est impeccable. Ah ouais, parfait. Alors, je commence. Donc, Timeless est une série créée par Eric Kripke et Ryan Murphy, diffusée sur NBC entre octobre 2016 et février 2017. La série prend place dans la Silicon Valley, ce qui est une des nouvelles tendances de la production télévisuelle actuelle, San Francisco étant devenu un lieu iconique dans les représentations fictionnelles contemporaines. Connor Mason, que vous voyez ici, et qui est un personnage inspiré d'Elon Musk, le patron de Tesla, a inventé une machine à voyager dans le temps. Garcia Flynn, un ancien agent de la CIA, vole la machine en enlevant en même temps l'ingénieur chef du projet, Anthony Brule. La Homeland Security prend alors en charge l'affaire, en la personne de l'agent Dennis Christopher, qui réunit une équipe de choc reflète à travers le temps. Lucy Preston, une historienne enseignant à Stanford, qui dirigera l'équipe et s'assurera que l'histoire ne sera pas trop modifiée lors des différences dans le temps. Wyatt Logan, un soldat des forces spéciales américaines, il appartient à la Delta Force, qui doit s'occuper de Flynn et le neutraliser une fois qu'ils l'auront localisé, et Rufus Carlin, un ingénieur informaticien de Mason Industries, la compagnie de la société de Connor Mason,
qui est en charge de piloter le prototype de la machine à voyager dans le temps. Rapidement, ces différents voyages temporels vont révéler l'existence d'une société secrète, Rittenhouse, qui a marqué de manière indélébile l'histoire du pays, ce qui va constituer l'arc mythologique qui traverse toute la saison. Cette série déploie une dialectique entre mémoire et oubli à plusieurs niveaux. D'abord au niveau narratologique, puisque ce sont les traductions diégétiques de ces concepts qui vont faire avancer l'intrigue. Ensuite, en termes d'écriture, puisque la série joue avec la mémoire historique et culturelle du téléspectateur, en inscrivant dans son propre texte des réminiscences d'autres œuvres ou d'éléments culturels que nous partageons avec les personnages. Enfin, au niveau idéologique, puisque les sauts dans le temps effectués par les personnages sont l'occasion de remettre sur le devant de la scène des aspects oubliés de l'histoire américaine. D'un point de vue purement narratif, l'intrigue est construite sur une tension permanente entre mémoire et oubli. Le fondement même de la série, qui intègre dans l'équipe d'enquêteurs une historienne, joue sur une mémoire mobilisée en juste à temps. Lucy Preston fournit, dans pratiquement toutes les situations, des éléments de connaissance historique utiles immédiatement. Il y a donc ici un aspect extra-temporané de la mémoire qui tend à faire de Lucy une encyclopédie vivante, capable à la fois de recontextualiser un événement historique, de reconnaître immédiatement un personnage, même secondaire, lié à l'événement, ou de corriger un mot utilisé mal à propos, car anachronique, par rapport à l'époque qu'il visite. Par ailleurs, du fait des voyages dans le temps et des modifications inévitables du cours du temps, les trois héros voyageurs deviennent dépositaires d'une mémoire effacée. À chacun de leur retour, ils vérifient ce qu'est la nouvelle version officielle de la mémoire historique. Ainsi, par exemple, seuls eux trois se souviennent, dans l'épisode pilote, que le zeppelin Hindenburg a pris feu et s'est écrasé à l'atterrissage à Lakehurst dans le New Jersey le 6 mai 1937, quand tous les autres personnages de la série, qui n'ont pas voyagé dans le temps, n'ont connu qu'une ligne temporelle, celle où le zeppelin a atterri normalement le 6 mai et a connu une avarie le jour suivant, provoquant un incendie qui l'a détruit. À chaque épisode, la ligne temporelle des États-Unis est légèrement modifiée, faisant à chaque fois de Lucy, Wyatt et Rufus les gardiens d'une mémoire irrémédiablement perdue. Cela devient même un gimmick de la série. À chaque retour de leur saut dans le temps, ils posent des questions à Connor Mason ou à l'agent Christopher, ou recherchent même ces informations. Cela amène une autre représentation de la mémoire dans la série, une mémoire objectifiée, puisque les autres personnages n'ont pas la connaissance encyclopédique de Lucy. Ces éléments de réponse sont donc recherchés soit sur Internet, soit dans des livres, qui deviennent à l'écran la cristallisation matérielle de la mémoire historique. Cette double mémoire historique s'incarne également dans la famille de Lucy. Dans le premier épisode, on apprend que la mère de Lucy, une historienne de renom, professeure elle aussi à Stanford, est en train de mourir d'un cancer. Lucy et sa sœur Amy s'en occupent, et Lucy a particulièrement à cœur de faire reconnaître la postérité académique de sa mère, de faire en sorte qu'elle ne soit pas oubliée. Au retour de leur premier voyage dans le temps, Lucy rentre chez elle et découvre que, dans cette nouvelle ligne temporelle, sa mère est tout à fait bien portante et que sa sœur existait. La famille Preston devient ainsi une incarnation de cette dialectique entre mémoire et oubli mise en scène dans la série. La mère de Lucy représente cette mémoire toujours mouvante, recomposée après chaque saut dans le temps, autrement dit la mémoire d'une histoire contrefactuelle, et le rôle que cette mère va prendre peu à peu dans la saison semble confirmer cette hypothèse. Amy, oubliée de tous sauf de Lucy, est le symbole de ces morceaux d'histoire perdus à jamais, qui constitue notre propre histoire. Lucy, quant à elle, maîtrise ses deux fils et est la seule à savoir naviguer entre les différentes strates mémorielles, entre cette histoire contrefactuelle et la nôtre, faisant ainsi l'interface entre l'histoire ou les histoires et le public. Dès le début de la série, donc, Lucy Preston est l'incarnation même de la notion de mémoire.
Dans un premier temps, les ingénieurs de Mason Industries sont seulement capables de localiser la date à laquelle Flynn et ses complices ont fait atterrir la machine volée. Or, il faut tenter un lieu et une date pour faire décoller la machine. Lucy doit donc se remémorer les événements historiques importants liés à la date d'atterrissage de Flynn et trouver où faire atterrir leur propre machine. L'épisode pilote prend ainsi place le 6 mai 1937, jour que Lucy définit comme celui de l'incendie du zeppelin Hindenburg à Lake Hurst. Le deuxième épisode, quant à lui, est situé le 14 avril 1865, jour funestement connu, celui où Abraham Lincoln est assassiné au Fort Theater de Washington. Cependant, la mécanique narrative mise en place sur la remémoration d'événements historiques s'enraye dès le troisième épisode. La date à laquelle Flynn a atterri ne permet à Lucy que d'émettre une vague hypothèse. What happened on September 21st, 1962? I don't know. The Cuban Missile Crisis happened a month later. We'll figure it out on your way. Flynn took out the mothership and we're hours behind him. Les employés de Mason Industries doivent donc trouver un moyen de calculer, avec les maigres informations qu'ils possèdent, le lieu d'atterrissage. Et cela permet aux épisodes suivants d'être plus fluides. En effet, les deux premiers épisodes ont un schéma similaire. Ils commencent par une séquence montrant l'histoire telle que nous la connaissons. Puis nous apprenons que Flynn a décidé de modifier cet événement. Et nous voyons alors, lors de l'épisode, les légers changements que ce voyage dans le temps a apportés. Cette construction quelque peu artificielle est ainsi modifiée dès ce troisième épisode, mais le changement est plus profond. En effet, on passe de la question des faits mémorables, ce qui est une définition minimale de ce qu'est l'histoire d'un pays, à celle de la mémoire d'une nation. Ce qui fonde une communauté, a fortiori une communauté nationale, c'est une mémoire partagée entre des individus. Vous reconnaissez ici la notion de communauté imaginée, chère à Benedict Anderson. Or, ce qui est intéressant avec ce troisième épisode intitulé Atomic City, alors que le deuxième porte un titre transparent, The Assassination of Abraham Lincoln, et que le premier s'appelle sobrement Pilot, c'est que l'on passe de la mémoire historique au sens strict, celle des événements mémorables ayant eu une incidence publique ou politique, à la mémoire culturelle par le biais de l'intertextualité. Les références culturelles étaient légion dans les deux premiers épisodes, mais elles remplissaient alors deux fonctions principales. Premièrement, elles utilisent les personnages à la volée, parce qu'ils doivent inventer et adapter en permanence leur couverture lors de leur voyage dans le passé. Commander Rosenthal, I'm sorry to bother you, it's urgent. Yes. This man is working as one of your ground crew, and it's very important we find him quickly. He's a threat to your base, sir. Huh. Who are you? Well, we're actually... This is Dr. Dre. I'm Nurse Jackie. We're from General Hospital. This man is a patient of ours, which is why he's wearing pajamas. He has a bad case of spinach flu, which last time killed, what, almost 700,000 people in the U.S. alone, so you can see why we're nervous. Yes, of course. I'll help however I can. Oh. Ce type de référence à ces comiques pour le public est utilisé tout au long de la série. Par exemple, Rufus qui s'appelait Denzel Washington quand il est un soldat de la guerre de sécession, ou Kanye West quand il approche la Black Liberation Army en 1972. Deuxième fonction, ces références culturelles étaient aussi utilisées pour aider à expliquer à l'un des personnages le statut des personnalités historiques rencontrées. La visée est ici pédagogique dans un dispositif de double énonciation. Le personnage acquiert une meilleure compréhension de la situation dans laquelle il se trouve, et le public, qui peut ne pas avoir une connaissance historique exhaustive des événements narrés, n'est pas perdu et peut suivre l'histoire. C'est ainsi que dans l'épisode The Lost Generation, Josephine Baker est présentée comme la Beyoncé de 1927. Dans l'épisode dédié à l'assassinat de Lincoln, Lucy explique que John Booth, l'assassin du président, était un acteur, mais que contrairement à son frère Edwin, acteur star, il n'avait pas vraiment de succès. Rufus fait alors un rapprochement contemporain avec la situation de Donnie et de Mark Wahlberg. Dans Atomic City, les références culturelles reposent plus clairement sur le jeu intertextuel au sens strict du terme. Contrairement à celles que nous venons de citer, elles peuvent être ratées par le public parce qu'elles ne sont pas forcément verbalisées.
Peu après le milieu de l'épisode, Wyatt, dont la femme a été assassinée en 2012, passe devant un comptoir de la Western Union, ce qui lui donne une idée. 2012. You want this telegram delivered 50 years from now. Look, you said you can do it anytime, anywhere. Can you do it or not? Hey, it's your money. What do you want the message to say? Jessica. I know this might be hard to understand. But whatever happens on Saturday, February 11th, 2012, go home with Wyatt. Even if he's being a pass, just let him take you home. And know that he loves you more than you'll ever know. La référence est ici claire et explicite. Wyatt agit comme Doc à la fin de Retour vers le futur 2, qui fait livrer à Marty en 1955 un message confié à la Western Union en 1885. Mais cette idée n'est sans doute pas venue ex nihilo à Wyatt, puisque Rufus avait fait, dès le début de l'épisode, une référence non soulignée qu'un téléspectateur non concentré ou non cinéphile pouvait tout à fait rater. It's like 54 years worth of baseball games you can bet on in hand. What? You don't want money? Rufus renvoie ici à la manière dont Biff Tannen fait fortune dans le film en utilisant un almanach sportif venu du futur. Enfin, une dernière référence à la trilogie est faite à la fin de l'épisode. Flynn et ses acolytes sont venus en 1962 pour récupérer un objet qu'ils ont enterré dans le désert du Nevada et qu'ils déterrent en 2016, de même que Doc avait caché la DeLorean dans une grotte pour que Marty la récupère des décennies plus tard. La trilogie est un intertexte évident pour une fiction traitant de voyage dans le temps, et par exemple, dans l'épisode Karma Caméléon, quand Wyatt explique son plan visant à empêcher la naissance de l'assassin de sa femme en sabotant la rencontre de son père et de sa mère, Rufus résume la situation comme « a reverse back to the future ». Des éléments de référence culturelle qui jouent sur la clivance et permettent à la frange du public la main portée sur l'histoire de se raccrocher aux intrigues sont légion et impossibles à tout recenser. Il peut s'agir de mentions de programmes, de télévision, de produits de large consommation, de clins d'œil pédagogiques ou comiques, ou de réécriture de scènes de films. Oh, pardon, miss. I'm General Grant's aide. You're Robert Todd Lincoln. Have we met? No. I admire your father. Pleased to meet you, Miss Juliet. Shakes. Comme vous le voyez, Lucie s'inspire ici de Kaiser Soze. Si Retour vers le futur est une référence évidente et assumée, Code Quantum, la série des voyages dans le temps, est plutôt présente sous forme d'anticipation puisque la série en prend le contre-pied. Là où, selon la théorie de la ficelle, Sam Beckett ne peut que sauter dans une époque où il vivait, les personnages de Timeless ne peuvent sauter qu'à des époques où ils n'existaient pas, sous peine d'abîmer trop radicalement le tissu du temps et de ne pas revenir en un seul morceau. Cela renforce la dimension comique de la série, puisque les personnages ne peuvent qu'être décalés dans les époques qu'ils visitent, et met en place une autre dynamique intertextuelle que Code Quantum. Si Sam Beckett ne cessait d'involontairement d'ouvrir la pop culture à venir, apprenant par exemple le moonwalk à un très jeune Michael Jackson ou mettant Donald Trump enfant sur la piste d'investissement immobilier, les héros de Timeless se servent de la pop culture comme d'un voile opaque cachant leur identité réelle. Mais la série s'est surfée sur les différents niveaux culturels et les téléspectateurs ayant une culture davantage classique peuvent repérer des références ou citations plus institutionnellement reconnues, comme le début du poème « The Trail's End » que Bonnie Parker a écrit en cavale. You've read the story of Jesse James and how he lived and died.
If you still need something to read, there's a story to follow me. Be glad. Ou la séquence de la présentation publique du cadavre de Jesse James. Qui démarque une photographie réelle de Jesse James dans son cercueil après son assassinat par ses complices. Mais ce palimpseste historique revêt aussi une forte dimension idéologique. Une des particularités de la série, bien qu'elle traite d'événements largement connus, ce qui est nécessaire pour assurer l'adhésion du public, est de mettre en avant des histoires oubliées, méconnues, en faisant agir les personnages en marge de ces grands événements. Sean Ryan semble d'ailleurs totalement assumer cette dimension, puisqu'il a tweeté il y a quelques jours seulement des nouvelles de l'écriture de la série en déclarant « History needs to be written », exemplifiant la dimension éthique et un certain engagement politique de la série. De manière assez subtile, les dialogues mettent en avant l'évolution linguistique, sans cependant faire un point cardinal, puisque par exemple, les épisodes se passant au XVIIIe siècle ne sont pas écrits en anglais de l'époque, ce qui les rendrait incompréhensibles. Quand Wyatt, dans les années 80, parle de « flight attendant », Rufus le corrige au « stewardess » parce que son interlocuteur ne comprend pas le mot. De même, dans les années 30, de manière récurrente et systématique, en revanche, la série s'ingénie à remémorer des éléments oubliés ou méconnus de la participation des Africains, Américains et des femmes à l'histoire des États-Unis. Pratiquement chaque épisode comporte ainsi un personnage noir ou féminin qui a joué un rôle historique important. Et certains épisodes tournent même entièrement autour de ces questions. Dès le premier épisode, Rufus souligne le danger qu'il y a pour lui à faire partie de l'équipe des voyageurs dans le temps. Also, I don't know how it works across the pond, but I can black. There's literally no place in American history that would be awesome for me. Dans pratiquement chaque épisode, Rufus souligne une situation qui manifeste le racisme de l'époque, qu'il ait dû s'asseoir au fond d'un bus et été pris pour un esclave, ou souligne le fait qu'il puisse se glisser discrètement dans certains lieux de service comme les cuisines d'un hôtel parce qu'il est invisible pour les gens de cette époque. Quelques épisodes mettent ces questions raciales au cœur de la narration. En effet, le rôle de l'équipe est d'une part de traquer et neutraliser Flynn et d'autre part de conserver l'histoire telle que nous la connaissons. Rufus a souvent des scrupules et aimerait arranger l'histoire américaine pour qu'elle soit plus juste. Il sait que l'assassinat de Lincoln va mettre un coup de frein à l'émancipation des esclaves noirs et imagine que Lucy, Wyatt et lui pourraient en réalité empêcher l'assassinat du président. I understand, but we don't know the consequences. It's too risky. It's our job to protect this group. Yeah, we're white class history. A lot of my history sucks. Look, you know, it seems crazy, but maybe we can change things for the better. À partir de ce point, la série va s'ingénier à faire remonter à la surface des éléments ou des événements historiques qui sont dus à des femmes ou à des Africains américains, même si l'histoire officielle, la mémoire que nous, nous avons des événements, a amoindri ou effacé leur rôle. Ainsi, l'épisode consacré à la mort de Jesse James révèle que le personnage historique qui a inspiré le personnage fictif du Lone Ranger, dont vous voyez ici une des déclinaisons, une des plus connues, la série télévisée des ABC dans les années 50, le personnage historique qui était le vrai Lone Ranger était Bass Reeves, le premier marshal noir de l'histoire des États-Unis. Rufus tente alors de le convaincre de parler, de se faire connaître et reconnaître pour marquer l'histoire et ne pas être oublié par la postérité. Bass, you should talk to a lot of reporters. Why? If you don't tell your story, someone else might. Someone might take a mask, might end up the legend instead of you. People are going to want to know your story. Today, tomorrow, maybe even 100 years from now. Quant à l'épisode lié au Watergate, il fait intervenir la Black Liberation Army, notamment son fondateur Elrich Cleaver. Plus que les éléments historiques, qui dans cet épisode sont apocryphes
puisque cette partie de l'intrigue est fondée sur les fameuses 18 minutes et demie manquantes des cassettes de Nixon. Ce qui est intéressant ici, c'est que Rufus en sait plus que Lucy, l'historienne officielle. Une séquence met les deux personnages aux prises, où Rufus donne une leçon d'histoire sur la Black Liberation Army, tandis que Lucy ne peut qu'admettre son ignorance et la nôtre par la même occasion. I know this. I mean, I don't even know this stuff. Herbert Hayes and Eldridge Cleaver, the founder of the BLA, have read everything about these guys. Ici, l'oubli du rôle des Africains-Américains par l'histoire officielle est patent. La situation est telle que Rufus en profite pour se venger et venger tous les Noirs ostracisés de l'histoire des États-Unis à travers cet échange. You should probably wait outside. You should be fine. Just don't make any eye contact. Qui est en fait le renversement d'une scène du pilote. Everyone's trying to evade. You should just wait outside. On a scale from Million Man March to Mrs. Gagarin, how safe do you think I'm going to be out there? You should be fine. Just don't make eye contact with anyone. So glad I came. Quant au rôle des femmes dans l'histoire, il est lui aussi souvent souligné. On peut relever le rôle central de Judith Campbell dans l'épisode Atomic City, qui était la maîtresse de John Fitzgerald Kennedy et de Sam Giancana, le parrain de Chicago. Mais il s'agit souvent de personnages plus secondaires dans l'intrigue, mais avec lesquels Lucy discute assez longuement, permettant de souligner leur implication ou leur importance. La journaliste Grace Drummond Hay, à travers le personnage de Kate Drummond dans l'épisode pilote, ou encore Sophia Hayden, la première femme diplômée en architecture du MIT et créatrice du Palais des Femmes à l'exposition universelle de Chicago en 1893, dans l'épisode qui prend place pendant cette exposition universelle. Évidemment, quand il s'agit de personnages à la fois noirs et féminins, l'oubli est encore plus massif. L'épisode Space Race, diffusé quelques semaines avant la sortie du film Hidden Figures, met ainsi en avant le rôle d'une mathématicienne africaine-américaine dans l'histoire de la conquête spatiale. Quant à l'épisode The Lost Generation, il donne un des rôles principaux à Josephine Baker, dont on souligne les actes politiques, sans doute encore moins connus aux États-Unis qu'en France, puisque pendant la Deuxième Guerre mondiale, elle était un agent du contre-espionnage français. Bien évidemment, les éléments que je vous présente ici, séparés, pour la clarté d'exploser, jouent ensemble dans un même épisode, voire se renforcent. Prenons le cas de l'épisode The World's Columbian Exposition, dont le cadre universel de Chicago de 1893, qui commémore le 400e anniversaire de la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. Et donc cet épisode, comme tous les autres, entremêle ces différentes dimensions. Le début de l'épisode est marqué par le fait que Lucy a été enlevée par Flynn. Les héros, sans historiens ayant du recul, en sont réduits aux hypothèses. What do we know about this flare? A lot of stuff was written there. The wheat, Hershey's chocolate, Aunt Jemima. How is that still a thing, by the way? Teddy Roosevelt was there. Thomas Edison, Susan B. Anthony, Helen Keller. Not that I think Flynn's going to take out Helen Keller. Sorry, I don't know a lot of stuff. Yeah, go with Roosevelt. If we find Flynn, we find Lewis. You sure he's going after Roosevelt? No. You're so that's the best I got. Wyatt décide, face à la masse d'éléments historiques associés à cette exposition universelle, de choisir un homme politique et de se rapprocher à l'histoire événementielle, à l'histoire du pays, ce qui sera une erreur, on s'en rendra compte dans la suite de l'épisode, au lieu de s'attacher à ce qui fait mémoire de la nation. Vous remarquerez au passage que dans ce dialogue, Rufus souligne le racisme sous-jacent d'une des inventions présentées à cette exposition, les produits Aunt Jemima, l'équivalent américain des produits Banania en France. Cette remarque et cette liste commencée ici avec ces produits-là et les chocolats Hershey's va se poursuivre tout au long de l'épisode avec par exemple les Crackers Jack et même des éléments de crypto-histoire comme le fait que la pierre Pabst aurait reçu le Blue Ribbon de l'exposition universelle, c'est-à-dire la récompense du meilleur produit de sa catégorie et aurait modifié son nom en conséquence. Ce qui est de la crypto-histoire, puisque historiquement le nom existait avant la foire. Les personnages historiques célèbres impliqués sont très nombreux. Outre ceux cités par Rufus, interviendront plus ou moins directement dans l'intrigue l'industriel Henry Ford, l'inventeur Thomas Edison, le banquier J.P. Morgan, le futur président Roosevelt et le magicien Harry Houdini.
Ceux-ci permettent de créer un univers mental commun entre les personnages et le public. Mais la série va s'ingénier à mettre en avant un personnage méconnu, Sophia Hayden, dont je vous ai déjà parlé. Et ce qui est intéressant avec elle, c'est qu'elle va prendre Rufus, un autre ancien élève du MIT, mais des décennies plus tard, pour Robert Robinson Fuller, le premier diplômé noir du MIT en architecture. Ces éléments participent ainsi de la réhabilitation mémorielle qu'entreprend la série. Mais dans le même temps, elle joue aussi sur une dimension de pop culture. Une grande part de l'intrigue se passe dans le Murder Castle, un hôtel à Shostra construit par un des premiers serial killers américains, H.H. Holmes, que l'on voit aussi plus tard dans l'épisode. Or, ce Murder Castle est une des inspirations principales de la cinquième saison d'American Horror Story, intitulée Hotel, qui avait été diffusée la saison précédente sur FX. Cette partie de l'intrigue, par ailleurs, autour de H.H. Holmes, permet aussi une réflexion sur l'évolution linguistique de l'anglais, puisqu'en 1893, on ne parlait pas de serial killer, et que Holmes avait été qualifié par la presse de l'époque de multi-murderer, comme le raconte Flynn à Lucy. Enfin, à la fin de l'épisode, Lucy, pour sauver sa vie, utilise un procédé narratif fréquent dans des fictions mettant en scène des voyageurs du temps. Elle se fait passer pour une voyante et raconte à H.H. Holmes des éléments de son passé que lui seul à l'époque connaît puisqu'il n'a pas encore été arrêté et qu'on n'a pas encore écrit plusieurs livres à son sujet. On voit bien avec cet exemple rapidement analysé ici la dynamique de la mémoire et de l'oubli dans la série qui entremêle plusieurs niveaux en permanence, lit histoire événementielle stricte et histoire culturelle, s'appuie sur la mémoire et les souvenirs du public tout en trouvant des manières de raconter qui permettent de ne pas perdre les téléspectateurs les moins informés et en profite pour nous rappeler l'existence de personnages oubliés et l'évolution ou parfois la permanence des valeurs entre 1893 et nos jours. Timeless est ainsi une série de pur divertissement diffusée sur un network et devant toucher un public beaucoup plus large que les chaînes du câble. En outre étant une série historique, ses frais de production sont plus élevés que dans le cas des séries plus radicalement contemporaines, puisqu'il y a un long travail de recherche au moment de l'écriture et de reconstitution au moment du tournage qui ne permet pas la rentabilisation des décors. Si les locaux de Mason Industries et la maison de Lucy sont des décors récurrents qu'on peut amortir, les séquences dans le passé nécessitent toutes des repérages et des constructions spécifiques non réutilisées dans les autres épisodes. Tout cela explique que les attentes ont été très hautes et que les résultats d'audience, un peu fragiles malgré un grand succès critique, ont rapidement fait courir des rumeurs d'annulation. Avant même la fin de la saison, ces rumeurs ont été confirmées par la production, ce qui a donné lieu à une mobilisation des fans assez exceptionnelle, à une heure où on ne cesse de parler de fragmentation du public et de désamour des téléspectateurs pour les networks et la télévision regardée en direct. Une grande campagne de mobilisation a été lancée sur les réseaux sociaux, pour motiver les téléspectateurs aimant la série à regarder les derniers épisodes pendant la diffusion même ou en rattrapage dans les trois jours suivants, puisque c'est l'audience cumulée à J+3 qui sert de référence pour les annonceurs. La série a ainsi été annulée officiellement et finalement renouvelée, mettant en abîme le concept même de la série, puisque l'un des créateurs a annoncé le changement de décision de NBC en disant que l'équipe avait remonté le temps de 3 jours et réécrit l'histoire. Cette notion de réécriture, qui nourrit toute la dimension de mise en avant des histoires oubliées de la grande histoire, semble particulièrement chère au public. En effet, alors que les audiences montrent tout au long d'une érosion régulière, épisode après épisode, un épisode contredit la courbe. Il s'agit de Space Race, dont je vous parlais, qui, dans la dynamique de Hidden Figures, rappelle ce rôle des mathématiciennes noires dans la NASA. Nous sommes ici au cœur de ce qui parle sans doute au public, au-delà du plaisir de l'intrigue premier et du Mr. Rittenhouse qui sous-tend la mythologie de la série. Et cet aspect, c'est la remémoration d'aspects oubliés de l'histoire, leur remontée à la conscience collective, la construction d'un référentiel historique hors canon officiel. History needs to be written, disait Sean Ryan, c'est bien le sillon tracé par cette première saison et que la seconde semble vouloir creuser davantage. Dans un contexte politique américain difficile, nous ne pouvons pas extraire notre lecture de la série de l'élection de Donald Trump et des mouvements Black Lives Matter. Comme toute série historique, Timeless est aussi, peut-être même surtout,
un commentaire sur le contexte de son énonciation. Et l'on sait que le recul chronologique permet souvent de faire passer des messages qu'il serait plus difficile d'assumer dans un chronotope contemporain. La question de la mémoire, ou des mémoires, fait ainsi de Timeless un commentaire féroce sur l'Amérique de Donald Trump, jamais cité cependant, et, non embarrassé de l'étendard du genre série politique, au contraire d'un Designated Survivor sur ABC ou d'un Madame Secretary sur CBS, la série peut déployer librement un contre-discours terriblement efficace parce que fondu dans une dynamique narrative qui le masque et en démultiplie les effets. Je vous remercie. Donc, je ne sais pas comment on fait. On avait réservé du temps pour des questions communes, mais peut-être qu'on peut d'abord se concentrer sur la prise de parole de Séverine Barre. Et puis, Raphaël, oui, tu reviens à la tribune s'il y a des questions pour toi également. Donc, est-ce qu'il y a des... Je ne sais pas si on est toujours Oui. Je vais vérifier que ça enregistre. D'accord. Enfin, à la limite que les questions ne soient pas enregistrées, c'est pas aussi important que d'être... Si, c'est bon, ça enregistre. C'est bon. Par contre, ça lag un peu mieux. Je peux commencer avec une première question. Moi, je m'intéresse davantage à des séries britanniques et je me demandais s'il y avait éventuellement des clins d'œil vers Doctor Who, qui joue aussi avec le voyage dans le temps. Est-ce que ça peut... C'est quelque chose qu'on retrouve pour justement les amateurs de séries. Alors formellement, je n'en ai pas repéré, ce qui ne veut pas forcément dire qu'il n'y en a aucun, vu qu'il y a une telle multiplication des clins d'œil que parfois il y a juste un tout petit élément dans le fond du décor. Et donc je ne peux pas vous promettre à 100% qu'il n'y a pas un moment où on ne voit pas un TARDIS quelque part, par exemple, posé sur une étagère. Cependant, des choses qui sont vraiment narrativement intégrées, je n'en ai pas vu. Il se peut que ça soit en partie parce que d'abord l'histoire, c'est essentiellement l'histoire des États-Unis. Donc un peu cette idée que les États-Unis, c'est le monde entier. Donc il y a un épisode qui se passe à Paris et un autre en Allemagne nazie, mais toujours en rapport avec des événements historiques américains. Donc, ce qui pourrait être une première hypothèse à l'explication d'une absence de Dr. Who dans cette série. Et d'autre part, peut-être que Dr. Who aux États-Unis n'est pas aussi connu qu'il peut l'être en France. Et que donc la référence est peut-être un peu moins évidente pour un public américain de network. Non, c'est parce que là, ça rejoint une question que, bien sûr, vous avez évoquée là dans votre présentation, qui était évoquée aussi précédemment, c'est l'intertextualité florissante. Alors, avec des films, oui, mais avec des séries télé, ça devient de plus en plus compliqué. Je pensais, par exemple, sur Downton Abbey, très clairement, on ne peut s'empêcher que de penser au film de James Cameron, Titanic, hein, peut-être que les souvenirs de Daisy ou les images de Daisy imaginant les serviteurs n'arrivant pas à échapper au Titanic, c'est les images que nous, on a du film de James Cameron. Et puis là encore, pour des spectateurs britanniques, Downton Abbey, ça fait référence aussi à d'autres séries de maîtres et serviteurs, comme Upstairs, Downstairs, qui était une série des années 70, qui a connu un reboot la même année de sortie que Downton Abbey, et qui a certainement en partie échoué à cause de la concurrence d'avec Downton Abbey. Donc c'est vrai que cette,
ce jeu de la, avec la mémoire du spectateur, et on en parlait ce midi, il y a beaucoup trop de séries pour qu'on puisse se souvenir de toutes, et nous, chercheurs sur les séries, on est potentiellement régulièrement mis en difficulté par une question de fan, genre moi aujourd'hui, qui dit « Ah, mais cette série-là », et c'est vrai que ça pose un problème, pas insolite, mais quand même, sur ces questions de jeu intertextuel. Enfin, c'est plus une remarque qu'une question qui... Mais, moi, j'aurais dit qu'en fait, c'est l'idée qu'on va les revoir. Parce qu'il y a aussi, d'après ce que j'ai pu voir moi, quand il y a un épisode d'une série comme ça qui est diffusée, il y a tout un ensemble de spectateurs qui discutent en même temps de ce qu'ils voient et qui ensuite vont revoir pour voir s'ils avaient raison ou tort et qui établissent un niveau de communication parallèle à celui de la diffusion de l'épisode. Et dans ce niveau de communication, il y a par exemple des jeux qui sont « Est-ce que vous avez repéré toutes les fameuses citations dont vous parliez ?»« Combien tu as repéré de citations ?» Vous voyez ce genre de choses. Donc en fait, il y a aussi de l'extra-linguistique très actif par rapport à ce jeu intertextuel, je pense. Vous êtes d'accord ? T'as pas entendu ? Si. Oui, et je crois que c'est aussi totalement intégré dans la production des séries télévisées comme une manière de favoriser l'engagement du public dans le produit, si je puis dire. Si là j'adopte vraiment une terminologie industrielle, mais c'est une manière effectivement, je pense, d'engager le public encore plus grandement et d'organiser la conversation autour de du programme. Oui, et c'est à ça que servent les intervalles entre un épisode et le suivant. En fait, oui. C'est à ça que ça sert, cet intervalle qui s'écoule. Tout à fait, oui. Il sert à quoi, finalement ? Il sert à établir de l'extra-linguistique, tout un ensemble de communications qui ont l'air d'être en dehors de la série, mais ils y appartiennent quand même. C'était ce dont M. Ortoli parlait ce matin, en disant qu'il s'agit de constituer une mémoire, en fait. En regardant la série, on inscrit sa propre mémoire par rapport à celui de la série, dans ces commentaires-là. Oui, dans une mémoire collective, et c'est ce que je trouve intéressant dans Timeless, c'est que cette mémoire collective, elle est mise en scène aussi à l'intérieur de la série, ce qui n'est pas le cas de toutes les séries qui jouent sur ces types de procédés. Est-ce que dans la salle, vous avez des questions ou des remarques Alors moi j'avais une question, est-ce que vous seriez d'accord de voir une prolongation, une continuité avec les jeux de mémoire, les arts de mémoire qu'il y avait dans l'Antiquité et beaucoup à la Renaissance? Est-ce que vous pensez qu'il y a un lien ou est-ce qu'on est dans quelque chose de tout à fait différent? Non, de façon globale, alors sans parler de Timeless en particulier, mais des phénomènes d'intertextualité qui se sont multipliés maintenant depuis un certain nombre d'années, pour moi, il y a un intérêt à utiliser Yeats pour penser ces types de procédés. Il y a quelque chose effectivement qui relève d'une spatialisation notamment de la mémoire, d'objectivation ou de sortie de soi-même de la mémoire qu'on retrouve en partie dans ces parcours de mémoire, par exemple, dont parle Yeats dans son livre. Oui, peut-être pour les étudiants qui ne connaissent pas, donc c'est Frances Yeats, YAES, et ça s'appelle Yarns of Memory. La première édition est de 66, mais ça a été réédité en 75, et ensuite ça a été réédité un certain nombre de fois. Et c'est une sorte de pierre comme ça sur laquelle on peut s'appuyer pour avancer et reculer dans ses recherches et études. Merci. Merci pour vos questions. Peut-être Penny, non ? Oui, je voulais juste faire le lien avec l'idée que Yannis avait introduit ce matin de géomémoire, dans le sens de géologie, des strates de mémoire qu'on retrouve cet après-midi dans ces deux interventions. Et
j'avais l'impression en écoutant tout à l'heure que bon, le spectateur va bien sûr apporter ses associations, mais je pense que ces associations sont aussi évoluées. Donc, il y a des associations en littérature comme le retour, Return of the Soldier, bien entendu, qui est un roman qui traite de l'amnésie d'un soldat pendant la Première Guerre. Et bon, d'autres références que tu peux sortir, Gosford Park, par exemple. Ah, oui, bien sûr. On pense à Gosford Park avec cette armée de domestiques. J'ai pensé à un autre film qui a eu un très grand succès aux États-Unis avec ce soldat. On n'est pas sûr est-ce qu'elle a connu, elle n'a pas connu. C'est le retour de Martin Guerre. Ah, bah oui. Et c'est dans Balzac. C'est dans Balzac. Balzac a un roman sur le sujet aussi. Donc j'ai oublié le titre. Oh, Chabert. Le colonel. Chabert. Oui, bien sûr. Le retour de campagne napoléonienne. Bon, ben, s'il n'y a pas d'autres questions, on va remercier Séverine de s'être... C'est moi qui vous remercie encore. ...à ce jeu. Et puis, remercier Raphaël aussi pour sa première intervention et ceux qui sont venus assister cet après-midi. Merci. Je veux juste vous dire, ça devait être une pause café, mais maintenant c'est 4 heures que vous pouvez à côté, si vous voulez poursuivre la discussion. Merci Séverine, et à bientôt. Au revoir. Et merci à vous. Donc, vous allez peut-être aussi. Qu'est-ce que c'est? Je sais. Du coup, au revoir Madame Séverine. On va essayer de tuer mon Skype avec un peu de bol. Ça va marcher. Je ne prends pas des masses. Voilà, voilà. Je ne bouge pas. Voilà. Au revoir, madame. Merci beaucoup.